Good morning, allez, Yiden, les Tisra aujourd'hui, les Lounish Matavram de Haï, Ben Israël, Ben David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther et Moshe Ben Yaakov, Taraba Kohen. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, consacrée à 5 minutes éternelles, nous étions en Israël, Kudvot, Perik Yud, Mishnah Aleph. Mishnah Yanasui, Shte Nashim Vamet, Harishona, Kodemet la Shnia, Yorche Harishona, Kodmin le Yorche Shnia. Nasa et Harishona Vameta. Nasa Shnia Vamet. Où? Shnia yoreshet kodmim le yorshe, Shnia ve yorshea kodmim le yorshe harishona. On débute dans ce dixième chapitre le thème des partages des biens du mari entre les différentes femmes qu'il peut avoir, plus précisément les lois de priorité en fait, avec deux points essentiels à introduire avant notre Mishnah. D'abord de manière générale, lorsque j'emprunte de l'argent, j'empruntais deux fois de l'argent, en Tafshin Aïn et en Tafshin Aïn He, enfin on va dire 5775, ou, et après en 5780. J'empruntais deux fois de l'argent, des grosses sommes, 1 million à Reuven et 1 million après j'empruntais de Shimon. Et arrive la date d'échéance des deux en même temps, en 5785, j'ai pas d'argent pour payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une saisie de mes biens. Alors, bien évidemment, celui qui a la dette depuis 5775, il a un droit de priorité sur les biens. Soit, si j'ai laissé une maison qui coûte 1 million, j'ai pas 2 millions à donner, c'est le premier qui a prêté qui récupère son argent. Pire que ça, j'ai vendu ma maison. Lui, il va partir voir l'acheteur de la maison, parce que la maison, elle est engagée pour sa dette. Maintenant, il y a un ordre de priorité, c'est que d'abord, on engage le plus ancien, après on engage le moins ancien, et ainsi de suite. S'il y a 10 créanciers, alors, d'accord ? Imaginez, j'empruntais 10 millions sur une maison qui coûte 1 million, ben, le dernier, c'est sûr qu'il a aucune chance de récupérer son argent. Parce que il y aura peut-être de quoi payer le premier. Si j'ai de quoi payer le premier, le deuxième, il prendra, et ainsi de suite. D'accord? On va donc commencer d'abord notre Mishnah avec un cas simple. Mishaya Nasui Shten Hashim Vamet, celui qui a marié deux femmes et qui est mort ensuite. Alors quand je marie une première femme, je me suis marié avec une première en Tafshin Aïn. Et je me suis engagé à payer une ktouba. Je me suis marié avec la deuxième, Tavshinaïna, et je m'engage à payer une deuxième ktouba. Arrive les 120 ans, le mari part, il n'a plus de quoi payer, et les femmes vont venir récupérer des biens. S'il y a juste de quoi payer une seule ktouba, c'est la première qui récupère. D'accord? Notion simple. Je refais ça dans les mots. Mishayana suishten hashim umet, vamet, celui qui était marié à deux femmes et qui est mort ensuite. Alors, Rishona kodemet lashnia. La première a un droit de priorité pour saisir les biens avant la deuxième. Et idem en plus. Si toutefois, maintenant, les deux femmes, elles ont, quand le mari est mort, ensuite, c'est les deux femmes à l'acier sont mortes. Les héritiers de la première pourront hériter de la dette de leur mère. Et les héritiers de la deuxième, de la dette de la Ktouba, c'est une dette. Quand je m'engage à payer, en cas de décès ou de divorce, de payer à ma femme dans les temps. Donc maintenant, les héritiers de la deuxième femme, eux, ils ont un droit de priorité pour venir saisir leur bien, parce que, bon, je vais expliquer dans 30 secondes d'abord, on va ouvrir le sujet des héritages dans quelques secondes. Mais d'ailleurs, pour le moment, autant que je dois payer ma première femme avant ma deuxième femme, alors les héritiers de la première femme ont un droit de récupérer l'argent de la dette de l'actuelle de leur mère avant les héritiers de la deuxième femme. Pour le moment, tout va très bien. Maintenant, on va parler d'un cas un petit peu plus particulier. D'abord, on va faire une introduction de l'héritage du mari. Comment ça se partage? Et après, on va confronter l'héritage face au règlement de la dette. Peut-être que je commence d'ailleurs par là. Une notion très simple. Les créanciers ont un droit de priorité de récupérer les biens avant les héritiers. Une donnée toute simple, je m'explique. Yaakov devait 1 million à Moshe, d'accord? Yaakov décède, il laisse des biens de 1,5 million. Alors comment on va faire? Il y a les héritiers de Yaakov qui doivent aussi récupérer l'argent de leur père, on va dire. Ben non, pas du tout. D'abord, tu payes les dettes du père avec les biens, tu donnes le million, il reste 1,5 million, on partagera le demi-million entre les héritiers. Donnée logique. Les créanciers, d'abord, ils ont le droit de saisir et de récupérer leurs biens avant qu'on se soucie de laisser de l'argent pour les héritiers. Et s'il n'y a rien pour les héritiers, ben tant pis pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? C'est très simple. C'est logique. Alors là, on va mettre maintenant en confrontation l'héritage du mari avec la dette de la mère.
Mais on va d'abord faire une petite notion d'héritage en introduisant c'est quoi la Ktubat Banin Dichrin. On l'a déjà évoqué, mais là ça va être un sujet essentiel dans les trois prochaines Mishnayot. Donc on va bien expliquer comment ça se passe. En théorie, Yaakov se marie à deux femmes, Rachel et Léa. De Rachel, il a deux enfants, Yosef et Binyamin, et de Léa, il a un garçon, Réhouven. D'accord? Il y a Réhouven et Yosef et Binyamin, comme on les connaît très bien dans la Torah. En théorie, imaginez qu'il n'y a pas de Béchor, comme ça on se prend pas la tête, c'est pas bien compliqué l'histoire. Imaginez qu'il y a une première fille d'abord. La première qui est née de Yaakov, c'était une fille, donc elle n'hérite pas de toute façon, et les trois frères, ils se partagent en équivalent. Alors en théorie, justement, Yaakov décède, il laisse 1 200 000, ça fait 400 000 pour chacun. D'accord? Ça, c'est en théorie. Même mieux que ça. Imaginez qu'en fait, Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel et avec Léa, chacune, elle est venue avec une dot à sa manière. Rachel, qui avait deux enfants, elle était pauvre. Elle a apporté à son mari 200 000, dire pauvre, bon, d'accord. Elle a apporté 200 000 à son mari, mais là, elle était très riche. Elle a apporté 1 000 000 à son mari. Ouais, maintenant, si Yaakov, en général, on a déjà expliqué que selon ce que ma femme me fait rentrer, je m'engage en contrepartie dans la Ktouba. Si elle me fait rentrer dans la maison une grosse somme, alors c'est fair play de donner de s'engager de payer une grosse Ktouba en contrepartie. En cas de divorce, elle récupérera toute cette partie. En cas de décès aussi, si jamais le mari décède. Maintenant, quand la femme décède, le mari ne paye plus de Ktouba, bien évidemment. C'est lui qui hérite de sa femme, d'accord? Alors maintenant, regardez comment ça se passe. C'est simple, accrochez-vous, ça va aller vite. Rachel, elle a fait rentrer 200 000 alors qu'elle a deux enfants. Léa, elle a fait rentrer 1 million alors qu'elle a un. Et après, on n'a eu qu'un seul enfant. En théorie, s'il n'y avait pas eu Chachamim qui était venu mettre leur petit grain de sel dans l'histoire, comment ça se passe? Si jamais Rachel et Léa, les deux femmes de Yaakov, décèdent, Yaakov hérite maintenant de tout ce qu'elles ont fait rentrer de ses femmes, il va obtenir 1 200 000. Merveilleux. Yaakov décède, il a trois enfants, on partage ça en trois. 400, 400, 400. D'accord? Il s'avère qu'en fait, les enfants de Rachel la pauvre, ils se sont enrichis sur le dos de la concubine, enfin, comment dire, la coépouse de leur mère. Déjà de son vivant, Rachel et Léa, elles faisaient que de se crêper le chignon. C'est mon mari, c'est ton mari, c'est mon mari. Et en plus de ça, maintenant qu'il est mort, en plus de ça continue que maintenant, eux, ils se font de l'argent sur le dos de Léa. C'est pas joli, d'accord? Rachamim se sont souciés de venir rectifier un petit peu ça. D'ailleurs, il valait mieux le rectifier, parce que sinon, il n'y aurait eu aucun beau-père qui aurait voulu donner de l'argent à son gendre, de peur qu'il va se marier avec une autre et que tout son argent, lui, il va hériter de sa femme. Puis, imaginez, un beau-père qui est millionnaire, il va hériter de sa femme, et il va marier sa fille unique à un étranger, qui a déjà 12 enfants d'une autre, et puis après, il va marier sa fille, imaginez le scénario atroce. Lui, il va mourir, sa fille elle va hériter, sa fille elle va mourir, le mari va hériter, puis tout son argent va passer chez quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui fait beaucoup de ça. Rami son ils ont dit, écoute, viens, on va faire un petit peu d'ordre dans l'histoire. On va laisser l'argent dans la propriété de la famille, de la femme, de la mère, mais avec une originalité, c'est qu'on ne va pas lui donner un droit d'acquisition dessus, mais plutôt un droit d'héritier. Et alors là, ça va arriver les finesses. Je reprends maintenant mon histoire avec Rachel et Léa. Les deux enfants de Rachel et Réhouven, le fils de Léa. Et maintenant, on va expliquer comment ça se passe. Chachamim sont venus et ont dit, vous savez quoi? On va faire en sorte que Yaakov s'engage lorsqu'il marie Rachel et lorsqu'il marie Léa. Il lui écrit, Benin dichin, dans la Ktouba écrit, Benin dichin, deliavun lichin minai, inon yirtun ktouvatich. Les enfants, garçons, que je vais avoir de toi, eux hériteront. Taktouva, c'est-à-dire ce que tu m'as fait rentrer, qu'en contrepartie, je me suis engagé de payer la Ktouva. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, lorsque je me marie avec Rachel, je lui dis bien, ne t'inquiète pas, l'argent que tu fais rentrer, les enfants que tu auras de moi, lorsque mes 120 ans arriveront, ils seront prioritaires pour récupérer leur argent que toi tu as fait rentrer. Et là, on a gagné que lorsque ensuite Rachel et Léa vont décéder, Yaakov hérite de tout. Merveilleux, c'est super, il a hérité 1 200 000, mais maintenant, lorsque Yaakov va décéder, alors eux, ils vont dire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Le père, il a écrit une tzava'a. Comment ça se dit une tzava'a? Une tzava'a, c'est quelque chose qu'on écrit, c'est un testament.
un testament que avant d'écrire, avant de décéder, c'est important de le faire d'ailleurs pour celui qui a beaucoup de biens, c'est d'éviter les problèmes entre les enfants, souciez-vous de le faire même quand on est très jeune. Et donc en fait, c'est une sorte, comme si imaginez qu'il avait écrit un testament, et il a dit, bon, je lègue cette partie-là à tel enfant. Ça lui appartient. Et bien en fait, Chachamim, ils ont instauré qu'en fait, l'Aktouva, c'est déjà une sorte de testament sur les biens spécifiques que leur mère fait entrer. Donc, ma chère Rachel m'a fait rentrer 200 000, ses enfants sont prioritaires, seront héritiers sur les 200 000. Léa a fait rentrer 1 million, ses enfants sont prioritaires sur 1 million. Et il s'avère qu'après, alors là maintenant ça va se compliquer et on va en parler, mais pour notre Mishnah ça va pas être tellement compliqué pour le moment. Mais imaginez maintenant, Yaakov va décéder, il va avoir donc maintenant, non excusez-moi, d'abord Rachel et Léa décèdent, Yaakov va hériter de ses femmes d'abord 1 200 000. À part ça, Yaakov, il a à part ça un capital personnel de 900 000. Donc en fait il a au total 2 100 000. En théorie, on aurait dû donner 700 000 à chacun. Ben non, ça va pas, ça c'est comme ça. On va faire quoi? On va dire, écoute, 1 200 000, alors on ne va pas partager ça en équivalent. Toi, Réhouven, le fils de Léa, tu prends le million. Toi, vous, les enfants de Rachel, vous prenez les 200 000. 100 000, 100 000. C'est votre part dans l'héritage en rapport avec ce que votre mère a fait rentrer. Ensuite, on continue. Il reste 900 000. Là, on fait tiers, tiers, tiers. 300, 300, 300. Il s'avère qu'eux, ils vont avoir 400, 400. Et l'autre, il va avoir. On en était où dans les chiffres? Je me suis perdu, c'est pas grave. On était, ouais, 1 million plus 300, 1 million 300 000. D'accord? C'est clair. Ouais, alors maintenant on continue. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Aktuvat Beninirin. On apprendra les conditions exactes dans quel cas, Chachamim. Mais attention, Chachamim n'ont pas, maintenant je précise la phrase que j'ai dit tout à l'heure, Chachamim n'ont pas donné un acte d'acquisition aux héritiers, mais ils les ont nommés héritiers. C'est-à-dire, je m'explique, quand Léa se marie avec Yaakov, on n'a pas prévu qu'en cas de décès, elle donne ses biens. Son mari l'héritera, et que lui s'engage à donner, à léguer, à léguer, mais plutôt à faire héritier. C'est des notions un peu délicates, mais regardez, c'est très simple. Quand Yaakov décède, et que les biens doivent arriver maintenant dans la poche de Réhouven, on va pas faire que Réhouven, il a acquis, comme si son père lui a fait un cadeau du million. Mais on va lui donner un statut d'héritier. Et ça joue à son avantage et à son inconvénient. Dans notre Mishnah, on va voir que c'est un inconvénient. Et je reviens maintenant en arrière quand on a commencé à expliquer à la Mishnah. J'avais dit, j'ai une dette de 1 million, j'ai laissé des biens qui coûtent 1 200 000, j'ai un héritier. Après le décès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord, le créancier, c'est lui le prioritaire, d'abord pour récupérer son argent. Parce que lui, il a prêté de l'argent, il a récupéré son bien avant qu'on se soucie de laisser une part à l'héritage, de l'héritage. C'est clair? Il laisse 1 200 000, d'abord tu payes le créancier, 1 million, puis après tu payes les 200 000. Ok? Et après, les héritiers, ils se partageront les 200 000. Selon ce principe maintenant, lorsque Yaakov décède et qu'il laisse 1 200 000, ou on va dire qu'il laissait 1 500 000, il y a un créancier. Et alors là, maintenant, regardez, dans les biens de Yaakov qui décèdent, qui laissent 1 500 000 et il y a les créanciers, il y a un petit problème. C'est qu'il y a 1 200 000, c'est pas c'est ce qui s'est engagé à payer en Ktouba à ses femmes. C'est ce qui s'est engagé, donc logiquement, ces héritiers, ils devraient prendre cette part. Plus, maintenant, il reste 300 000, on les partage en 3, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Comme ça aurait dû être. Comme ça, ce sera s'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand il y a un héritier, et que maintenant, il y a un créancier, et que le créancier vient, il dit, ouais, mais votre père, il me devait 1 million, alors là, ça devient délicat. Celui-là, il vient prioritaire pour prendre l'argent des biens de Yaakov, il va d'abord récupérer son million, et selon les biens qui restera, on partagera proportionnellement à leur engagement. C'est un peu la nuance, parce que si, alors maintenant, d'accord, vous avez maintenant encaissé l'idée générale, maintenant on va prendre le cas particulier de la Mishnah, on va l'expliquer, et vous allez voir comment ça va aller, Bezrat Hashem. Maintenant, Nasa et Rishona va Meta. Yaakov s'est marié d'abord avec une première femme, Rachel, ou plutôt je préfère même prendre Léa, c'est plus facile. Nasa et Rishona va Meta. Yaakov s'est marié avec Léa, et la pauvre Léa, elle est décédée en laissant son fils Réhouven. Yaakov hérite de sa femme 1 million. Ensuite, Nasa Shnia va mettre Hu. Il se marie avec Rachel, il a les deux enfants, Yosef et Binyamin. Après, c'est lui qui décède. Alors maintenant, il y a un problème technique. C'est que, d'abord, puisque c'est Yaakov qui décède avant Rachel, il doit d'abord payer la Ktouba de Rachel.
Et seulement après, s'il reste de l'argent, ils se partageront les héritiers. Alors selon ce principe, Shnia veYorshea Kodmin leYorshe Harishona. Imaginez maintenant, on ne va pas compliquer l'histoire, on va parler de manière très simple. Yaakov a laissé en réalité, on va dire qu'il a laissé en réalité juste 300 000 shekels, il a dilapidé l'argent de sa première femme, Léa, bon, ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a hérité de 300 000, maintenant, il décède, Yaakov décède. Il a maintenant, d'abord, puisque Yaakov est décédé, il doit d'abord payer la dette de la Ktouba de sa femme Rachel. Et si, ou si Rachel elle est morte, il doit payer ensuite, elle meurt ensuite, il doit payer ensuite à ses héritiers. Donc d'abord, Yaakov, il lui reste 300 000 shekels en main, il doit tout d'abord se soucier de payer les 200 000 à sa femme. Et seulement après, s'il reste de l'argent, les héritiers se partageront. Donc, il lui reste maintenant 300 000 dans la main, quand en réalité, c'est même les restes de 300 000 de Léa, si ça se trouve, c'est sa première femme. Mais pour l'instant, il reste 300 000 dans la main, d'abord, je divorce, je dois d'abord payer ma dette. J'ai une dette, c'est envers la femme qui se retrouve veuve, je dois lui payer sa ktouba. Je vais lui payer sa ktouba, je vais lui payer les 200 000, tout d'abord. Et après, avec les 100 000, les héritiers se partageront selon ce qui reste. Et donc, de ce fait, il s'avère que d'abord, on va d'abord payer la ktouba, les 200 000, à Rachel, ou si Rachel mentionne, après le décès, après Yaakov. Imagine, un accident de voiture, Yaakov décède sur le coup, et Rachel, ça lui prend une semaine pour décéder. Et après, elle décède elle aussi. Alors, là, on va dire que ben, dans ce cas-là, ça va être les Yorshe Rachel, les héritiers de Rachel, ils vont d'abord, eux, récupérer les 200 000 de leur mère, pas en guise d'héritage, mais en guise de créance, parce que quand Yaakov est décédé avant leur mère, Yaakov doit payer une dette de 200 000, il s'est engagé sous la choupa à payer 200 000. Donc il va d'abord payer les 200 000, et après, selon les 100 000 qui resteront, alors là, maintenant, les héritiers reviendront, les héritiers de Rachel reviendront maintenant, reviendront à la charge avec Réhouven. Réhouven dira, hey, moi j'ai un droit de priorité, vous avez un truc. Et dans ce cas-là, on va voir comment est-ce qu'on va se partager. Est-ce qu'on fera tiers, ou bien ce qu'on fera selon proportionnellement, selon ce qu'ils ont fait rentrer. Ça, c'est déjà une autre histoire, mais c'est plus tellement notre problème pour le moment, parce qu'on a d'abord, on est d'abord concentré sur la nécessité de d'abord payer la créance avant de payer l'héritage, et d'expliquer que les héritiers qui récupèrent la ktouba de leur mère, ils la récupèrent en guise d'héritage et pas en guise de dette. S'ils devaient récupérer cet argent en guise de dette, c'est-à-dire qu'en fait, Chachamim ont dit que quand le père meurt, il lègue, il doit donner le bien aux héritiers, les premiers héritiers aussi, ils deviennent créanciers. Or, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas créanciers, ils sont héritiers, dans ce cas-là, on donne priorité aux créanciers avant les héritiers, et une fois donc, comme on a dit, une fois qu'on a payé les 200 000, ils reviennent à la charge, et alors on va se partager maintenant les 100 000 en guise d'héritage, selon un partage, comme on le verra après, les entretiens plus tard. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de ça.